Salut, station fréquence, des motions très fréquentées à vous tous de la part de Naldi 33. Alors c'est parti pour le QSO national du canal 27 et on est donc le 20-10-2017. Les 73 Michel, comment vas-tu? Ça va, je pense qu'il va y avoir un petit peu de monde quand même. Et dans ta péripétie de samedi, sur le 3x5, je t'entendais faire des appels. Je t'en entends, mais il y avait des creux et des bosses. J'espère que tout s'est bien passé. Retour à toi ici. On va voir s'il y a du monde. Signalez-vous. Ok, alors j'ai le casque en même temps sur les oreilles, j'écoute le poste, j'écoute sur le casque. C'est un petit peu cacophonie là, de mon côté dans la tête. Hachi. Alors, tu as les. Attends, allez, on commence direct. Tu as les 73 de 14, Roméo Foxtrot Roméo 138, là sur le chat du WebSDR. On a. Eh ben voilà, ben c'est fait. Il m'a demandé de faire le QSP là pour ce soir. Ok, c'est voilà, 14, Roméo, Foxtrot, Roméo, 138, Dylan, QTH, alors Livé sur Gavet, enfin Isère. Break. Oui, enregistré le break, retour Michel. Oui, 73-51, 14, Victor Echo 27, l'opérateur Eric, salut tout le monde, 73-51, salut Rémi, salut Michel à tour de contrôle, et 73 à tous les SWL qui sont derrière, voilà. Retour à toi Michel, Rémi. Ok, 73, Eric, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va, voilà. Impeccable, j'ai eu quelques nouvelles infos sur le sur Facebook. Voilà, donc rien de plus. Je rentrerai pas trop dans les détails, voilà. Okay. Ouais, il y a eu du nouveau, il y a eu du changement. On va pas parler des actions, hein. Pas de soucis, 73 à Michel, la tour de contrôle. Eric, les amis à toi et bien sûr à tous ceux qui t'entourent. J'espère que tout va pour le mieux possible. Je dis bien pour le mieux possible. À part ça, pour le temps, ne nous baignons pas. Nous avons passé à côté de pas mal de soi-disant coins brouillés en rude, des trombes d'eau, mais nous non, pour le moment. Il y a que les sept qui ont moins poussé, mais tant pis, hein, ça passera, hein. Allez, retour à toi, Eric, et tu fais tourner. Ok, Michel, mais pas de problème, mais 73 là aussi, il n'y a pas de souci. Mais bah, ce qui concerne, je me demande si ça va, je te laisse après moyennement, voilà. Voilà, voilà. Bon, mais je ne sais plus là, voir si le monde qui sont les personnes qui sont arrivées et qui veulent partir au QSO national. Allez, en avant, c'est le moment. Bon, mais retour à vie. Les 73 Cyril, les 73 Tégelé, 433 là sur le chat à Villamézur. Ouais, pour info, j'ai dit en fin de soirée à 733, donc normalement il va venir faire un petit tour, voilà. Donc il faisait des essais de son poste, et puis voilà, donc retour à lui. Ok, des essais en BLU. Affirmatif en BLU, ouais, mais bon, c'était pas très fort, hein, parce que lui, il est sur Gradilien, moi sur Villard-Nord, et
je l'ai entendu, mais alors toute petite radio, voilà. Après, bon, on a changé de fréquence, on est monté un petit peu plus haut. Ça allait un petit peu mieux, mais voilà, c'est toujours dans les réglages, voilà. Mais il doit venir, voilà. Ok, c'est bon. Donc ce soir, le QSO va être un peu plus technique. Là, c'est bon, ça. Là, il va pouvoir nous expliquer un peu là, ce qu'il a fait, quoi. Ok. Pour info aussi, je ne sais pas si Daniel va venir faire un peu du tour. J'ai eu Daniel Cantor cet après-midi. Donc, je ne sais pas s'il va venir faire un peu du tour, voilà. Ok, d'accord. Ben, c'est impeccable, ça. Surtout que là, toi là, Eric, là, je suis en train, là, j'ai fait ce que tu m'as dit, je le casque en même temps sur les oreilles. Donc, d'une oreille, j'écoute le poste, de l'autre oreille, j'écoute le Web SDR. Je te dis pas les effets d'écho que ça me fait entre les deux oreilles. Hachi! Ouais, non, mais c'est bon. Il suffit d'être concentré plus sur l'un que sur l'autre, et puis ça passe juste au moment où il y a besoin d'écouter de l'autre côté, et puis voilà, quoi. C'est ce que je fais une fois, moi. D'un côté, j'ai le bâton, de l'autre côté, j'ai l'eau. Je mélange les deux, puis après, c'est le meilleur. Ah, ouais, ok, oui. Mais c'est vrai que y a un coup à prendre. Ah, mais là, dans les précédents QSO, c'est vrai qu'à chaque fois, je zappais un petit peu le casque. Et bon, et puis, une fois installé derrière la station, je devenais feignant là pour faire quelques mètres et attraper le casque. Mais là, c'est bon, là, je vais faire en sorte de le garder à côté de la station, et puis voilà, quoi. Ok, ben, le c'est bon, on est habitué, il n'y a personne derrière. Là, ça nous pizza est pas passé. Et peut-être le livreur de pizza qui n'est pas passé encore. Hop, désolé. Rémi, quel temps vers chez toi? Ah ben le WX, il est par, ça part là vers l'humidité. Mais pour l'instant ça va, c'est beau, grand beau soleil. Hachi, non. Là pour l'instant ça va, la température est douce. Il pleut pas encore, mais bon, vu ce qu'on a vu sur la météo, c'est prévu. Donc, demain matin, pour aller au pro, ça m'étonnerait que je prenne la moto. Hein. Oui, alors, sur le chat, je ne sais pas. Apparemment, non. Sur le chat, j'ai vu qu'un ami du Québec, le nord du Québec, nous salue. Et je présume qu'il doit être à l'écoute de l'évangile par lui. Par contre, chez lui, effectivement, il est 3 degrés. Il y a notre ami de Lausanne, comme d'habitude, qui nous salue à tous. Il doit être à l'écoute. Alors l'évangile va à lui, malgré que je lui ai déjà répondu sur le chat. Allez, mais on se retrouve Rémi, ou alors si un vrai carnaval est vrai. Ok, ben justement, tu m'as devancé d'une seconde. Les modes 73-51 à tous les pays francophones et tous ceux qui comprennent le français, hachis trois coups, voilà, qui sont sur en écoute d'une façon ou d'une autre. Voilà, de la part de QSO National, section Sud-Ouest. Ouais, d'accord. Ouais, Cyril, il faudrait que Saxon vienne là, faire un test là, ici. Là, tu as raison. Là. Ok. Ouais, j'ai entendu. Je l'ai entendu lancer un appel. J'ai entendu la réunion aussi. Des 73, la réunion, si tu es derrière. Vu que j'étais pas mal occupé, comme tu le devines, Eric.
J'ai pas pu prendre les micros, et pourtant, en message perso, justement, il y a un homme de la Réunion là qui me renonce à plusieurs fois, mais désolé, c'est là, j'ai pas pu, là. Quand est-ce que tu l'as entendu, la station de la Réunion? Eh bien, cet après-midi. Ah oui, cet après-midi, je sais pas. Moi, j'étais en fin d'après-midi, que j'ai entendu Michel, je sais bien, hein. Et tu te rappelles, c'est celui qui est là-bas, là, qui fait le visage et tout ça, là. Donc, il est venu sur le piste national l'an dernier. Mais là, il partait fort, ça va finir. L'an dernier, il m'a patienté, mais j'ai attendu que le film 30 minutes, j'ai dit, allez, c'est bon, quoi. Si tu veux faire le contact, je me suis dit, ça va être un petit peu pour le monde, pour que le monde en profite, mais là, 30 minutes, ça va finir. 30 minutes, ça va 5 minutes, tu ne la referas, celle-là. Ah, chie. Alors, oui, je suis un très bien, évidemment, que je suis un j'ai vu sa chaîne YouTube, là, de M. Rassou, là, sur le forum. Et là, chez moi, là, c'est le forum. Il y a même eu un téléphone, là. Il y a quelqu'un derrière. Ouais, j'ai entendu un truc dans le téléphone. Enregistrez le break. Il y a une station qui s'est manifestée là, Rémi, avec la permission du groupe, je vais lui retourner le micro. Oui, en avant la station. Vas-y le break. Ça fait pas Saxon, la fois qui serait par là. On aurait dit de là-haut, il y a FM. Oui, le break, en avant. Saxon, moi je t'entends là, mais je sais pas si vous entendez, hein. C'est très très clair, c'est de mon côté, hein. Parce que Saxon, moi sur le web SVR, j'ai du mal à t'entendre, je t'entends mieux en direct, tu vois. Donc, c'est dur, dur. C'est très Saxon. C'est que si on monte sur le 950, les stations du piéton national, ils vont plus nous entendre, hein. Ils vont nous chercher partout. Ok, pas de soucis, ouais, c'était reçu, Saxon. Allez, retour, Rémi. Ok, bon, je vais essayer d'écouter sur le casque, mais bon, c'était vraiment très très clair. Alors, on va dire, tu peux nous faire le TSP? Ouais, il voulait qu'on monte sur le 950, mais je dis, si on monte là-haut, ils vont nous chercher les infostations. Et puis tu sais que de mon côté, c'est pas très clair. Hein. Si je monte là-haut, ça va foutre le bazar, ça va partir à beaucoup de personnes et compagnie. Non, ce serait pas cool du tout. Hein. Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais je le sais bien. Hein. Allez, retour, Michel. Thank you.
Ouais, donc 27 540, ok, c'est enregistré pour la fréquence. Oui. Oui. Je disais, ouais, Michel disait 27 540. Ok, je disais enregistré.
Attends, j'ai pas compris. C'est à la mande. Va falloir que tu sortes de la mort. Ça va tirer. Parce que ça me lie en te déplaçant sur ta petite vaisseau sur le 1650. Et lui, il s'en met de pas. Mais ça va durer longtemps parce que ça dit au barreau. Faut pas qu'on reste là, autrement, on va se faire remonter les bretelles. C'était fini de rire. Ah, chie trois coups. Bah ouais, mais bon, d'un côté, c'est vrai que si on joue trop, bien sûr qu'il faut respecter les fréquences d'appel. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Mais dans ces cas-là, d'aller près entre deux sièges, le fait de ne pas se faire passer pour un gendarme, on va dire, ou un casse-couille, pour dire autrement, et le fait d'être quand même correct malgré tout, quoi. Donc c'est vrai que, mais bon, je regardais la fréquence, je me disais, merde, chie. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais ça je sais bien, hein. Et parmi ceux qui râlent, qui pestent, je suis sûr que eux-mêmes, ça leur arrive de faire leur QSO comme ça momentanément sur la fréquence d'appel. Hein. Ça, j'en suis convaincu, ça. Hein. Ah tiens, tu me fais penser à un truc à propos de justement du canal 27. Alors, oui, c'est vrai, le canal 27 est un canal d'appel. Mais si on remonte un petit peu là, bien en arrière. Le vrai canal d'appel officiel, c'est quand même le 19. Et c'est parce que justement le 19 était complètement surbooké, complètement saturé, que les différents clubs de l'époque ont décidé justement de délester le canal d'appel 19 pour ouvrir un autre canal d'appel, c'est-à-dire le 27. Et bon, maintenant, on va pas se bousculer non plus hein, sur la lancée des appels sur le canal 27. Tout le monde est redescendu sur le 19. Et puis en ce qui concerne nos QSO là, du canal 27, c'est juste là un petit laps de temps. Et bien souvent, les gens là, à cette heure-ci, ouais, y en a pas mal qui regardent la télé, quoi. Faut dire aussi que j'ai 3-4 de que j'ai pas regardé. Ouais, je dois avoir 3-4 de QRM de mon côté, ça m'aide pas trop à sortir quoi que ce soit. Ok. Thank you.
parce que, Jackson, je reprends là, le micro, parce que même sur le WebSDR, tu sors pas du tout. Ben alors, pas du tout sur le WebSDR. Hein. Donc, à mon avis, t'entends pas. Hein. Donc, moi, on n'est pas très loin, donc ça arrive à te sortir sur le poste normal, ça va. Mais j'écoute les deux à la fois, mais sur le web, ça sort pas un pet, désolé. Hein. La radio est très très bonne, le signal, je vais te dire ça au prochain passage. Ouais, alors t'as un signal de 7 pour moi et une très très bonne radio de 5, mais on n'est pas très loin, nous ça va. Hein. Mais sur le WebSDR, j'ai essayé de t'écouter, tu sors pas du tout, donc ils vont pas t'entendre. Hein. Ça m'étonnerait que Michel t'entende. Tu l'entends Michel? J'ai pas compris Michel, tu disais? Yes, ah ok, mais Michel t'entends pas, Rémi t'entends pas, parce que tu sors pas sur le WebSDR, donc il risque pas, il va pas t'entendre, voilà. Désolé Jackson. Parce qu'il parle avec, en même temps que toi là et c'est difficile, ouais voilà. Donc pour info, je vais simplement pour voir si j'ai sûrement une personne. Ok Michel pour Didier de la Dordogne, ok. Pas de soucis. Bon, je fais le PSP pour Saxon, il est en train de faire des essais avec son matériel, toujours. Voilà. Donc c'est toujours en instance, voilà. Ok, mais je retourne sur Didier de la Dordogne, alors vas-y, en avant, 73. Ok, je l'ai entendu très QRP là de mon côté, pas sur le WebSDR, sur le poste. Et les 73 à toi, Doudou, très content de t'entendre. Et tu es de quel côté là, Doudou? Ah, j'ai un petit peu de moustache là en même temps là de mon côté. Eric, je crois que tu l'entends bien toi, retour du micro. J'ai pas compris de quel côté il était. Là, je suis désolé, retour sur Michel. Il dit que c'est toi qui devrais l'entendre le mieux, alors il doit pas être loin de toi. Oui, Doudou, redis à peu près où on en trouverait, approximativement bien sûr. QTH. Ah, ok, j'ai réussi à te sortir. J'espère que je suis en mode d'une personne.
Eh bien, ça passe ce soir, ça passe pas fort, hein, pour faire ma ligne validée, je t'entends beaucoup plus fort que ça. Hein. Pourtant, nous, on n'est pas loin. Hein. Ok, ok, mais je crois que j'étais parti sur la Dordogne, c'est pour ça. Non, non, mais si c'est un mal, non, non, je comprends pas, ce soir, c'est clarté, clarté, voilà, hein, parce que d'habitude, on n'est pas très loin, ça devrait passer plus fort, hein. Voilà. Donc, retournez. Ok, Roi 73, oui, Michel, c'est pas le même Saint-Magne. Moi, le Saint-Magne qu'il y a de mon côté, c'est Saint-Magne de Castillon, donc c'est pas du tout le même. Ah, Saint-Magne de Castillon, hein, où la sortie est là-bas, où il faut prendre le jour, quelle poste devrait la ramener. Mais ce soir, il a des petits problèmes. Non, Eric, il est chez lui. Il va tarder à partir. Oui, j'ai entendu un break. Non, Eric, hein, il est chez lui au QRA. Michel, tu as Saint-Magne de Castillon qui est de mon côté. Mais lui, Doudou 33, il a Saint-Magne, mais l'autre Saint-Magne, du côté de chez... je sais pas, ça doit être au sud de la Gironde, je crois. Je sais pas où il est, l'autre Saint-Magne. Ah, mais ici, c'est son QRA, Saint-Magne, oui. Je sais où c'est. C'est un Marocaise. Mais je devrais l'entendre plus fort, normalement. Ah oui, d'accord, il est carrément de l'autre côté. Ouais, mais bon, il suffit que son camion ne soit pas tourné de la même façon, et puis voilà, ça y est. Hein. Oui, le dernier break, là. Retour à vous, le break. Ok. Mimizan. Ok, pour le département 40, les environs de Mimizan. Et le prénom? Ok, le prénom de c'est Yves. J'ai cru comprendre Yves, vous m'en reparlerez si je me suis trompé. Alors, Rémi, est-ce que tu entends Mimizan? Affirmatif, et je crois qu'on s'est même déjà parlé. Les 73 Yves, de la part de Rémi, d'Indy 33, QTH Sainte-Colombe, c'est-à-dire entre Saint-Émilion, Castillon, la Bataille. Tel est département des Landes, voilà, le QRM a quand même pas mal baissé de mon côté, et là, ça arrive à passer. Quoi. Enregistrez le break derrière avec le Roger Beep. Ok, pas de problème, il y a eu un Roger Beep, il y a eu un autre break derrière, en avant le break avec les bons 73-51 du QSO National du Canal 27, section sud-ouest. Alors que je suis beaucoup plus loin, je l'ai entendu en direct, mais pas sur le web SDR non plus. Oups. Sur le web SDR, je ne l'ai même pas entendu, et de mon côté en direct, je n'entends pas non plus. Ouais, c'est normal, il était en train de parler à l'instant. Hachi. Section 33, j'ai une idée. Sors la charge fictive que tu te sers comme antenne et branche une vraie antenne à la place. Tu verras, ça marchera beaucoup mieux. Hachi, trois coups. Retour sur Mimizan. Quelles sont tes conditions de trafic là de ton côté? Voilà, je te fais le micro, Rémi.
Ok, ben on a le même poste, puisque moi c'est pareil, là j'ai le Yazoo FT450 DX, non pas DX, c'est le AT. Voilà, donc c'est l'ancienne génération, j'ai pas le rétroéclairage des fonctions. Et côté aérien, ben c'est une Sigma Mantova 8, hein, qui est pas très haute, hein, qui est à 9 mètres du sol. Voilà, bon je suis juste avec la puissance du poste. Ouais, puis bon, entre les deux, les trucs habituels, c'est-à-dire le filtre passe-bas, tout comme ça, bon, rien de vraiment extraordinaire, quoi, de brancher entre. Pour pousser plus fort, il faut que j'aille dans la voiture pour ça, Hachi. Ok, pas de problème. Eh bien, j'ai le même report à te faire. Là, j'ai continué à prolonger la vidéo. Et tu verras dessus, ben, même matériel, même Santiago. Pareil, dans les deux cas. Ok, puisqu'Eric t'entend pas, retour sur Michel. Oh, il est passé en RX. Ouais, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs. Alors, attention, le ministre, je l'entends même pas sur le poste et même pas sur le WDG. Ouais, ben oui, ça dépend. Voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, ces fameux couloirs. Au fait, j'ai reçu récemment là, un email, donc j'en profite là pour passer l'annonce. Donc le 10 mars 2018, bon il y a Radio Broc. Voilà, donc à chaque fois, bon quand même pareil, hein, comme tous les ans, même endroit. 8h30 pour les visiteurs. Donc voilà, je répète la date, le 10 mars 2018. Bon, je vais poser une journée hein, pour y aller, il n'y a pas de problème. Moi hein. Ouais, je viendrai aussi, mais comme c'est l'ouverture de la frite et que je reprends mon permis cette année, j'irai faire l'ouverture de la frite et je me après. Ok, d'accord, ben c'est comme tu veux, hein. Voilà, c'est suivant ton emploi du temps, et puis voilà. Hein. Donc le midi au gastro que nous faisons, bon tu seras pas là, bon c'est pas grave. Non, j'ai pas dit ça. Midi, je serai pas là, à 8h30 à l'ouverture. J'arriverai vers le coup de 10h ou 11h, mais parce que je ferai l'ouverture de la suite, en principe c'est le même jour, le matin, et à 11h je serai là à Radio Rock, quoi, donc il n'y a pas de souci. Et après on fera comme d'habitude. Ok, désolé, tu vois que j'ai un effet d'écho entre les deux oreilles, ce qui fait que je comprends déjà beaucoup. Avant, je comprenais déjà pas grand chose. Ah si. Alors là, pour le coup, là, c'est la cata. Et où c'est qui va mettre ses glacières, Eric, remplis de tweets? Aïe aïe. Non, c'est pas grave, on va trouver une solution. Non, c'est sur le truc du routier, c'est lui que tu l'avais affiché. Oui, à ce propos, c'est plus ce nom-là. J'en parlerai pas là-dessus, mais il y a un changement de pas mal de choses, dont le nom de mon groupe qui a changé. Hein. J'ai lu et j'ai suivi. Ok, bon, ben voilà, comme ça évitera d'en parler là-dessus. T'es au courant de tout, ça marche. Putain, ça crachote de mon côté. Oui, en avant. Ça devait être certainement Doudou, je pense.
compliqué parce que moi je l'entends pas. Non, c'est pas doudou, oui, parce que je l'entends d'habitude. Même tout à l'heure, j'étais petit, mais j'entends un peu. Oui, mais je l'entends pas, parce que je suis encore là. Je suis encore là. Ah, là, je t'entends mieux, doudou, oui, voilà. C'est toi qui as appelé, non? C'est clair que ce soir, pourtant on est vraiment pas loin, d'habitude le sens vachement plus fort. Hein. Je sais pas, pas y avoir de propagation. S'il y a des couloirs, hein, comme tout à l'heure, ouais, la station de Mimizan, j'entendais parler, mais alors à peine, je comprends les chiffrables. Et c'est bizarre, c'est comme ça. C'est les aléas de la radio, ça. Apparemment, Michel t'entend sur le glaïe, voilà Doudou. Michel t'entend, mais c'est clair, voilà. Allez, retour à Rémi. Ok, voilà, voilà, je suis en plein là sur le portail, tu verras Eric, sur le portail de mon forum. Alors on m'a passé une vidéo. Alors c'était un jour de un contest justement pour le don d'organes. Voilà. Alors c'est une YL là, qui a tenu le contest. Alors c'est alors l'indicatif Tango Mike 62 Golf Romeo Echo Fox Trait d'Union Foxtrot 4 Hôtel Romeo India Vanessa. Tu verras, tu écouteras la vidéo, c'est quand même pas mal. Hein. Sur Facebook, il va falloir que tu cherches un petit peu car il y a eu plusieurs publications qui ont été ajoutées là sur le groupe. Ouais, voilà, tu verras là, tu descends un petit peu et là tu verras la vidéo et cette spéciale s'est fait sur le 7 méga 121 pardon. Ok, mais je vais voir ça, il n'y a pas de souci, voilà. Bon, frigo, Lido, on est où là? On fait la grève ou quoi? Je déconne, Doudou, c'est pas pour toi, c'était pour Frigo et puis pour Ludo. Voilà, donc apparemment, ils sont pas là. Ce week-end, ils doivent être occupés. Frigo, il est là, donc. Frigo, ah bon? Ah, d'accord, ok. Bon, ben, pas de soucis. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire pour info, Rémi? T'es au pro demain soir ou t'es là? Ce week-end, je suis en journée. Donc, ouais, demain jour, dimanche jour. Donc, ce soir, je suis là. Demain soir, je suis là aussi. Il n'y a que dimanche matin que je pourrais pas être dans le QSO. Ok, mais il n'y a pas de souci. Retour sur Michel. Et bien,
profiter pour envoyer les bons chiffres à Philippe du Jura qui nous écoute sur le web MDR. Oui, Philippe du Jura, les bons chiffres à vous de la part de toute l'équipe. Les 73 et 14 au Delta 040, voilà la part de DD33 et QSO sur la séquence. Ok, retour Eric. Il y a quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un parler tout à l'heure, c'était très QRP, ça devait être Doudou, je pense. Non, je n'entends plus. Pourtant, le QRM est bien baissé de mon côté, j'entends plus. Retour Eric. Ok, mais non, j'avais rien entendu de mon côté, donc c'est pas. Mais je salue la station du Jura, oui, aussi, 213, 14, Victor Hugo 27. L'opérateur Eric, je ne sais pas s'il nous entend, mais où j'ai sur le web, 73 à lui. Apparemment, Siri ne se plaint pas de la radio, il dit que c'est de la voix. C'est du DECA, alors je ne sais pas quelle est la voix du DECA, mais ça ne doit pas être trop mauvais. Bon, il va nous préciser ça sur le forum, je ne sais pas s'il nous entend, mais, ou si juste sur le web GR, voilà, en direct, je ne sais pas, voilà. Allez, Philippe, tu vas nous dire ça, un petit message. Ouais Cyril, tu as raison. Je viens de voir ton message. ouais, c'est ça, oui. Bon, si c'est aussi calme, on va garder un peu de salive pour demain soir, hein, il n'y a pas de problème. Mais ouais, parce que là, c'est, pour le moment, j'ai l'impression qu'ils sont tous en stand-by, ou alors partis faire un câlin. Voilà, je ne sais pas, ou café, ou bio. Ok, ouais, parce que bon, c'est vrai que là, j'aurais bien des news, mais je peux pas en parler pour le moment. Voilà, rien n'est fait, ça sert à rien de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut d'abord que les choses se mettent en place et tout, puis et après ça, bon, là, ouais, il y aura des news. Ok, Rémi, pas de soucis, voilà, donc, écoute, je parle chez moi pour ce soir. Je vais faire une émission, voilà. Donc, 73 Rémi, 73 Michel, 73 Affection aussi, toujours derrière. Je salue tous les écouteurs derrière, qui nous ont suivis sur le chat. 73 à tous, 14 Victor et 27, l'opérateur Eric. Et puis, bon, mais pour ce soir, ce sera suffisant, voilà. Donc, 73 à tout le monde, et puis, retour Rémi, et je vous dis à demain soir. Ouais, c'est bon, j'ai écouté un casque, ok, effectivement, t'as raison, Eric, c'est pas mal comme ça. Même si c'est un peu cacophonie entre les deux oreilles, mais c'est pas mal comme ça. Les 73 Camembert 59, là, qui vient d'arriver sur le QSO.
Bon, ce soir c'est assez calme, hein, donc là on va garder de la salive de côté Hachi pour demain soir. Donc moi c'est pareil, les bonsoirs de 13-51 à tous, on va profiter d'une soirée un peu plus calme, et à demain soir, au retour Michel. Les bons chiffres à vous tous, les écouteurs, et puis on vous dit à demain soir, Eric ne vous dit pas de transmettre la bonne soirée à l'ami Dodo, et moi, je ne vous dis pas. Allez, bye bye, à demain. Ok, et la station de Mimizan, pareil, hein, je sais que tu es en stand-by derrière. Les bons 73 à toi et à demain soir si tu es dans le secteur. Ok, c'est vrai que ce soir c'était relativement calme. Ouais, demain soir ce sera peut-être plus animé. Allez, ok, bye bye à tous. Ok, ça marche, elle s'est échappée comme d'habitude dans le bureau, elle a chié trois coups, et je lui dirai, il n'y a pas de problème, bye bye. Allez, bye bye, je les entends, Eric. Allez, à demain. Allez, bye bye, doudou aussi, ciao. Ciao.